essayer un petit peu de comprendre le malade, de comprendre l'état d'esprit dans lequel est le malade. Avant de comprendre l'état d'esprit dans lequel est le malade, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, se concentrer et s'axer d'abord sur soi-même. Les deux protagonistes de la rencontre, ce sera bien évidemment le malade, mais ce sera essentiellement nous, avec ce que nous allons apporter, avec ce que nous avons, ce que nous vivons, enfin voilà, tout notre bagage de vie. Et qu'avant toute chose, avant de se concentrer sur le malade, dans un premier temps, selon moi, il est important d'abord de se concentrer sur soi-même. J'ai mis le point à apprendre à se connaître. Pour quelle raison ? Vous devez vous dire que lors d'une rencontre, il va y avoir donc le malade et nous, et que nous, d'emblée, on va faire passer beaucoup de choses. Le malade étant dans une phase fragile, vivant une épreuve, vivant quelque chose de difficile, il ne s'agit pas, il n'est absolument pas question de se dire, ben voilà, je vis des choses tellement difficiles dans ma vie que j'ai envie d'aller chercher du réconfort auprès des gens qui vivent aussi une souffrance. Nous devons déjà avoir fait un travail sur nous-mêmes. On ne doit pas aller faire une psychothérapie avant d'aller visiter des malades non plus. Mais on doit d'abord être au clair avec nous-mêmes. Je vous explique. Si nous vivons une épreuve, si nous vivons quelque chose de psychologiquement difficile et qu'on vit des situations où émotionnellement il y a des débordements, et que lorsque nous allons rencontrer un malade, ça explose, ça déborde, eh bien, il s'agit de ne pas créer une souffrance beaucoup plus grande auprès du malade ou que le malade se trouve face à quelqu'un qui ne sait pas gérer, s'il ne sait déjà, ou en tout cas s'il a difficile à se gérer lui-même. Donc il faut d'abord apprendre à se connaître. Alors je donne souvent l'image d'une balance, hein, avec les deux côtés de la balance. Alors vous devez vous dire que cette balance, c'est quelque chose que nous avons tous au plus profond de nous, tous. Nous allons avoir d'un côté de la balance, chez l'individu, toute la sphère émotionnelle. La sphère émotionnelle, c'est-à-dire toutes les émotions qui seront tant positives que négatives. De l'autre côté de la balance, vous allez avoir la sphère rationnelle. La sphère rationnelle, ça va être la capacité de compréhension, la logique, la capacité de synthétiser une situation. Bref, la raison, la sphère rationnelle, ce sera la tête. Et de l'autre côté, l'émotionnel, on est dans le cœur. Dans la vie d'un individu, quand tout va bien, du moins, voilà, tout va plus ou moins bien, cette balance est plus ou moins équilibrée, elle va tanguer de temps en temps. Tanguer, ça signifierait que l'émotion de temps en temps prend un petit peu plus de place. Et donc voilà, c'est là, ce sont des situations où on va avoir difficile à gérer, voilà, par exemple, un souci de facture, où on est étudiant, on a raté une session d'examen, ou que sais-je. Bref, émotionnellement, il se passe quelque chose de difficile. Mais pas suffisamment pour créer un déséquilibre de la balance. Ça suppose que la raison, hein, va très vite remonter au-dessus et puis va nous rationaliser. Écoute, bah, c'est pas grave, tu réussiras ta session d'examen une prochaine fois. Ou bien, voilà, j'ai une facture qui est difficile à payer, bah, je vais trouver une solution. Bref, la raison va venir un petit peu calmer l'émotionnel. Quand on va vivre des événements assez difficiles, il faut vous dire que cette balance va complètement se déséquilibrer. Elle va prendre émotionnellement, l'émotion va prendre une place très très importante. Et la raison ne disparaît pas, elle ne disparaît jamais, elle va descendre très très bas. Quand je parle de la balance qui se déséquilibre, je précise bien que cela ne signifie pas que la personne est déséquilibrée. C'est juste la balance qui se déséquilibre. Ça veut dire qu'à un moment donné, le poids émotionnel prend beaucoup plus de place. Donc si nous, on vit des événements très difficiles et qu'émotionnellement, ben voilà, l'émotion a une place assez importante dans notre vie, il s'agit d'abord de rééquilibrer le tout avant de pouvoir aller ouvrir la porte des malades. Ça ne veut pas dire non plus, il y a des personnes qui ont la capacité, ils vivent des choses difficiles dans leur vie, mais parviennent à faire la part des choses. Voilà, je vis des choses dures, je me bats, je fais un travail sur moi pour aller mieux. Et j'arrive à faire la part des choses, si bien que quand j'arrive chez le malade, ben je suis là pour offrir des choses parce que j'ai beaucoup de choses à offrir, et clairement le malade, parce qu'il aura souri, m'offrira des choses qui me feront du bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Là où cela poserait un problème, c'est quand la raison n'a pas fait le travail de faire la part des choses. Donc il est important d'abord de se situer.
Où est-ce que nous sommes? Si on sent que psychologiquement, aujourd'hui, on vit des choses extrêmement difficiles, eh bien, il faudrait d'abord prendre le temps de calmer un petit peu cet émotionnel, redonner place, beaucoup plus de place à la raison, afin de pouvoir se sentir, voilà, dans cette balance plus ou moins équilibrée, pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre et faire la part des choses. Lorsqu'on va parler de cette rencontre avec le malade, j'ai vraiment envie de préciser que ce n'est pas spécialement aller voir le malade à l'hôpital, c'est aussi aller visiter le malade dans sa propre famille. C'est-à-dire qu'on va un petit peu aborder, on va dessiner le cadre de la rencontre, tout ce qui peut s'y passer dans la rencontre avec une personne vivant une maladie, mais également une épreuve, parce que la maladie peut être définie aussi comme étant une épreuve de vie. Et donc, on va un petit peu explorer les différentes phases du malade et on va se rendre compte que l'on peut très bien aussi faire ce travail-là au quotidien, chez nous à la maison, parce qu'un membre proche de notre famille, dans notre cellule familiale, vit des choses assez difficiles, tant au niveau de la maladie qu'au niveau d'autres épreuves. Donc, dans tous les cas, cette approche peut être en tout cas très intéressante. Donc, la première personne sur laquelle on doit se concentrer, c'est d'abord nous-mêmes, parce que c'est nous qui allons offrir dans un premier temps. Nous n'allons pas faire que offrir, nous ne sommes pas le seul à offrir. Le malade va également nous offrir, mais essentiellement, nous, on est dans la démarche d'emblée d'offrir sans attendre des choses en retour. C'est important parce qu'il va se passer des choses dans la rencontre qui fait que parfois on va être en attente, ben, se dire, bah tiens, je suis venue, j'ai donné tellement d'amour, tellement j'ai été tellement dans de l'humour, etc. J'ai même pas reçu un sourire, quoi. Et puis il a été complètement désagréable, et puis il m'a mal parlé, et puis franchement c'est comme si je le dérangeais, j'ai pas aimé, ça m'a mis mal à l'aise, franchement j'ai pas envie de réitérer l'expérience. Donc on va aller se rendre compte qu'il y a des phases par lesquelles passe le malade, et que le malade peut nous offrir quelque chose d'emblée, tout de suite, ça doit pas être notre attente première, mais il peut ne pas nous en offrir tout de suite, parce que psychologiquement et physiquement pas en état. Mais ça prend un temps. Et donc, il faut de la patience. Il faut de la patience, il faut une régularité également, mais surtout de la patience. Alors, l'objectif de la rencontre, humaniser la relation. Je vais d'emblée d'abord peut-être vous poser la question. Selon vous, lorsque l'on va mettre en évidence le point humaniser la rencontre, selon vous, qu'est-ce que cela pourrait vouloir amener comme chose? Qu'est-ce que vous comprendriez par là? Donc voilà, je vous laisse peut-être un petit temps pour réfléchir. Puis ce serait intéressant juste de recevoir des petits mots. Il ne faut pas une grande explication. Il ne faut pas taper petit pile-poil non plus sur la réponse. Mais vous, d'emblée, si on vous dit humaniser la rencontre, est-ce que ça vous parle? Et pour vous, qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui. Moi, de ce que je vois par mon expérience, en tout cas, humaniser, c'est en premier lieu l'écoute. L'écoute. Ok, je vais peut-être noter le respect. Le dialogue. Quel type de dialogue ? Le dialogue en manière là. De toute façon, on abordera ce point qui est important. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme mot qui... Le partage. Ok. De l'amour. Je peux mettre une flèche sur partage et puis mettre un mot. Qui vous viendrait à l'esprit? Il y a déjà pas mal de choses importantes.
Donc, alors écoute, et dans l'idée de pouvoir offrir de l'empathie, du respect, le dialogue, un partage d'amour et amener de la vie. Alors, humaniser la relation, qu'est-ce que c'est ? D'emblée, et j'entendais ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, une maman dit ben, on n'a plus l'impression d'être à l'hôpital. Mais on doit parvenir à ça. Humaniser la rencontre, c'est d'abord pouvoir essayer de dessiner un cadre nouveau. Le cadre hôpital, hein, c'est ce qu'on disait aussi lors de la présentation. Les locaux à la limite sont peut-être blancs, du néon, c'est des locaux qu'on connaît. Et tout est figé, puis il y a des traitements, parce qu'il faut des traitements. Il y a ce rapport avec le médecin, où le médecin arrive, diagnostique, prescrit le médicament, les infirmières offrent le soin. Et puis, si le malade avait aussi besoin d'autre chose. Alors l'un des éléments les plus importants lorsque l'on va aborder le malade, c'est d'abord d'humaniser la rencontre. Humaniser la rencontre, c'est à un moment donné essayer de dessiner un nouveau cadre sur le cadre présent qui est l'hôpital. On ne doit pas oublier que c'est un cadre hôpital. Ça veut dire que nous sommes soumis à des règles. Nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. C'est un petit peu ce que vous disiez. Voilà, on va ramener des bonbons et puis peut-être que l'enfant ne peut pas. Et puis ça. Donc voilà, il y a un cadre déjà dessiné. Mais on va aller un petit peu déposer un cadre sur ce cadre-là. Donc toujours sur base de ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas faire. Aller humaniser la rencontre. Comment est-ce que l'on va faire ? Nous devons d'abord avoir à l'esprit que humaniser la rencontre, il faut d'abord que la personne se considère comme étant humaine. Elle l'a oublié quelque peu. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on peut être... Pourquoi est-ce que le malade peut oublier d'être dans ça, donc dans ce rapport humain ? Mais c'est parce que, vivant une pathologie lourde ou des traitements assez importants ou récurrents, il n'est en contact qu'au travers de sa maladie. Ça veut dire qu'il se définit en tant que malade. Mais à un moment donné, le malade en a même oublié qu'il était un individu et que l'individu qui était présent en lui avant la maladie l'est encore aujourd'hui. Et donc la visite du malade, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'hôpital, c'est à un moment donné de lui faire prendre conscience qu'il reste lui-même avant toute chose. On va lui rappeler aussi par un rapport, par une relation simple, et je vais vraiment mettre l'accent sur le mot simple, mais que finalement, on va se mettre à avoir avec lui une relation comme il aurait eu une relation avant sa maladie avec n'importe qui qu'il rencontrerait sur son lieu de travail ou lors de l'une ou l'autre activité. C'est-à-dire que humaniser la rencontre, c'est vraiment lui faire prendre conscience. Mais voilà, tu restes un individu à part entière, tu n'as pas à te définir en tant que malade, tu es une personne, tu es la personne que tu étais avant ta maladie, avec une particularité en plus, c'est que tu vis, voilà, une maladie pour le moment, mais tu restes une personne avant tout. Le malade va souvent s'identifier comme étant le malade, je suis très malade, je suis malade, de toute façon, tout me le rappelle, je suis dans un hôpital où je ne vois personne, les uniques personnes que je vois, de temps en temps, c'est ma famille, ou alors les infirmières qui sont là pour prescrire les soins, puis le médecin qui va venir pour accompagner mon parcours dans la maladie, et puis j'ai l'impression de n'avoir que ça. Puis quand on va aller visiter le malade, on va tout doucement l'aider à s'évader. Et là, j'ai même envie de dire qu'à un moment donné, le logo, c'est ce qui me... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'il m'évoque. C'est vraiment, à un moment donné, le cerf-volant, il monte haut dans le ciel. On s'évade. Et moi, c'est ce qui m'évoque, par exemple, le logo. Et donc, il faut qu'il puisse s'évader. Comment ? Alors, il y a, par exemple, le point, bien évidemment, respect, qui est là. Il doit y avoir un respect dans la rencontre. Bon, je ne sais pas s'il y a déjà eu des situations où peut-être ça ne s'est pas posé, mais en tout cas d'emblée, c'est clair que dans le cadre, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais le respect, bien évidemment, nous, ça peut, on peut avoir à l'esprit le respect, je vais être poli, il y a des règles à devoir respecter, mais il y a aussi le respect, ce que vous disiez aussi, madame, tout à l'heure, le respect de la vie privée. C'est important de se dire que quand on va aller à l'encontre du malade, enfin à la rencontre du malade, on va d'abord le respecter dans sa souffrance et on va respecter le fait qu'il veuille ou pas nous rencontrer, le fait qu'il veuille ou pas partager quelque chose avec nous aujourd'hui. Donc il y a aussi ce respect-là qui n'est pas toujours facile à gérer pour nous parce qu'on se dit, on est dans une démarche où on se dit, tiens, je vais aller visiter un malade, je vais lui donner beaucoup quand même, la moindre des choses,
La moindre des choses, c'est qu'il m'accueille avec le sourire, quoi. On pourrait avoir cette impression-là. Mais de se dire qu'il n'est peut-être pas au point, enfin, au niveau dans lequel nous, nous sommes à ce moment-là, lors de la rencontre. Nous avons choisi d'aller rencontrer le malade. Lui peut ne pas se sentir prêt, ou peut se sentir gêné, ou peut avoir du mal dans un premier temps. Il faut ce temps-là. Et le respect, je pense que c'est beaucoup respecter les temps. Les temps d'accueil et la manière dont le malade va nous accueillir. Alors, le point écoute, empathie et dialogue, on va les mettre ensemble. C'est-à-dire que je suis absolument convaincue qu'en tant qu'individu, nous sommes tous nés avec des particularités, des points forts. Nous avons tous des qualités, nous avons tous un talent. Nous naissons tous avec le tout, bien évidemment. C'est de pouvoir aller le découvrir. Et puis ça, c'est un petit peu tout notre parcours de vie durant tout notre cheminement de vie. Et puis, quand nous sommes parvenus à mettre le doigt sur l'un ou l'autre talent, alors pour les uns, ce serait la capacité de pouvoir raconter une histoire. Pour les autres, ce serait la capacité de pouvoir s'asseoir au chevet de quelqu'un et pas avec beaucoup de mots, savoir faire partager, offrir beaucoup de chaleur humaine. Les autres aiment tellement lire qu'ils ont envie de partager avec d'autres cette passion de la lecture. Et donc, on va rencontrer au travers des malades des gens qui aiment aussi beaucoup lire, et donc on va dire, et si on partageait un point commun ensemble ? Il y en a qui aiment beaucoup parler, et ils vont se dire, et puis il y a des patients qui parlent peu, puis il y en a qui ont besoin de beaucoup parler, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas alors mettre en avant cette qualité-là ? Il y en a qui aiment jouer aux jeux de société, aux échecs, aux cartes, et qui sont doués. Et pourquoi pas, pendant la rencontre, pouvoir partager aussi ça avec des personnes qui aimeront les mêmes choses que nous. C'est ça la rencontre, c'est ça humaniser la rencontre, c'est ça une rencontre simple. Il ne faut pas arriver avec des choses énormes, des préparations de dingue, et puis où on en a même oublié l'essentiel, c'est la relation humaine. Parce qu'avant tout, c'est la chose la plus importante, c'est la relation humaine. Je prends par exemple le cas d'un psychologue qui va rencontrer un patient en thérapie. La chose principale qu'il doit avoir à l'esprit, avant toute chose, c'est que quand le patient arrive, bien sûr, on est dans un cadre où on n'est pas des amis, il y a le psy, il y a le patient, mais avant toute chose, on est tous les deux des êtres humains. Et la rencontre ne réussira que si le psy a compris qu'il est avant tout un être humain et qu'il est en rencontre, en relation avec un autre être humain. Il va se passer un truc corporellement, physiquement, dans le langage, dans la manière de se tenir, dans la manière de parler, dans la manière d'entendre. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une forme, à un moment donné même, d'empathie qui va venir s'installer. Alors on a déposé à côté du mot écoute le mot empathie. Qu'est-ce que voudrait dire le mot empathie ? Alors donc j'entends deux mots importants, se mettre à sa place, et puis pour être dans de la compréhension. Et on est clairement dans ça. Si je devais donner un exemple un peu simple de ce que c'est que l'empathie, et il faudrait vraiment beaucoup, on pourrait prendre un long temps pour ça, c'est qu'à un moment donné, je vais quitter mes chaussures et je vais aller tenter de rentrer dans les chaussures de l'autre et de l'entendre dans un premier temps. Parce que pour offrir de l'empathie à l'autre, il faut d'abord pouvoir être dans un travail d'écoute. Pour être dans un travail d'écoute, clairement, nous avons déposé le cadre du dialogue. C'est pour ça que je posais la question, quel type de dialogue ? On va être dans du dialogue. Et puis, je vais tenter de pouvoir comprendre. Pour comprendre l'autre, je vais tenter d'abord de l'entendre. Je vais essayer. Je ne peux pas comprendre l'autre si je reste dans mes chaussures. Si je reste dans mes chaussures. Je vais à un moment donné essayer d'aller dans les chaussures de l'autre. Pas m'imaginer vivre sa propre vie, mais il va y avoir ce rapport étroit avec l'autre, où à un moment donné, on va entendre l'autre dans ses besoins. On va entendre l'autre dans les mots qu'il va formuler. Il va formuler des mots simples. Il va formuler des mots qui définiront sa souffrance. Parfois évident, parfois ce sera des mots cachés, c'est pas toujours évident. Attention, dans la rencontre, il est important de préciser que on ne vous demande pas d'avoir la position d'un psy, on vous demande juste d'avoir la position d'un être humain, en ayant cette volonté d'offrir beaucoup d'empathie. L'empathie, ce sera à un moment donné, je vais aller entendre l'autre dans son besoin, je vais entendre son besoin et je vais tenter à un moment donné de pouvoir, d'abord de lui faire comprendre que nous avons entendu ce besoin-là,
Imaginons le patient vous dit moi j'ai besoin de moments où je m'évade, j'ai pas envie qu'on me parle de ma maladie, moi j'en ai marre, le médecin arrive avec son diagnostic et puis en me disant ce que je dois faire, quels médicaments je dois prendre, les infirmières arrivent, même si souvent les infirmières jouent un énorme rôle dans les hôpitaux, comme les éducateurs d'ailleurs, ils vont à un moment donné nous accompagner, mais c'est voilà, pour les infirmières ça va être beaucoup dans le domaine médical. À un moment donné, moi j'ai envie de m'évader. Offrir de l'empathie, c'est à un moment donné avoir compris sa demande, qui était, il me demande de partir loin, de sortir du cadre que hôpital et à un moment donné de partir ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui te ferait envie? Tu aurais besoin de quoi? Et là, on est dans un cadre où on offre de l'empathie. Mais tu as besoin de quoi? Moi, j'aime trop les jeux d'échecs. J'ai envie de jouer aux échecs. Ok. J'essaye de me procurer un jeu d'échecs et on y joue la fois prochaine. Je te donne un exemple. Il pourrait y avoir tellement d'autres demandes. Vous avez fait ça, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait énormément. Parce que vous lui aurez permis de s'évader un instant, le temps d'une rencontre. On a tous fait l'expérience d'être malade. Je l'espère pour tous, une grippe, une grosse angine, une grosse fièvre qui nous a tenus au lit pendant une semaine. Et puis, on a, et je l'espère également, fait aussi l'expérience de recevoir de la visite. Vous avez très mal, vous souffrez le martyr, et puis la sonnette sonne, c'est votre ami, votre cousine, votre frère, votre oncle, qui arrive pour prendre de vos nouvelles. Est-ce que vous seriez capable de mettre en mots le temps de la rencontre, ce qui a pu se passer, de positif? Si je devais vous poser la question. Donc il faut retourner dans son esprit et aller essayer de se rappeler une expérience telle que celle-là, qu'on avait de l'importance. Est-ce qu'on souffrait de la même manière le temps de la rencontre? C'est-à-dire, la souffrance est dissipée. Oui. Vous avez tous pu faire cette expérience-là de sentir que le temps d'une rencontre, on a moins mal. Et pourtant, la douleur est là. Je veux dire, on souffre le martyr avant, puis le temps de la rencontre, si elle a duré une heure et demie ou deux heures, on est là, on a mal. Mais c'est très particulier ce qui se passe. C'est que la douleur va se mettre en arrière-plan pour laisser place à la rencontre, de se dire oh non, moi ça fait trois jours là, je suis clouée au lit, j'ai rencontré personne, là, je suis clouée au lit, j'ai trop besoin de parler, ça me fait trop du bien, puis j'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai pas envie de parler de ma douleur, j'ai juste envie de passer un bon moment, un moment agréable, un moment simple. Et puis on a moins mal, la maladie n'est pas partie, la douleur s'est mise en arrière-plan, très étonnamment. Et puis la personne que l'on chérit part, puis la douleur, elle revient. Puis on se dit quoi? On joue de la comédie ou bien il s'est passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose de réel. C'est que le temps de la rencontre, à un moment donné, la douleur va se mettre en arrière-plan. Et bien pour le malade, c'est exactement ce qui va se passer. Quand la rencontre est douce et qu'elle est agréable et que le malade va sentir qu'on est venu juste pour lui offrir du bien-être, juste... On est venu humaniser cette rencontre, on est venu l'entendre, le comprendre, lui offrir de l'empathie. À un moment donné, parce qu'il s'est senti valorisé dans sa position juste d'individu. On vient me visiter, on est venu me voir moi. On est venu me voir moi. Alors que j'avais l'impression qu'on m'avait oublié dans ma chambre d'hôpital, le temps d'un instant, on m'a offert une importance tellement grande. C'est un bienfait, le temps d'une rencontre qui peut avoir un impact, oui, pendant un petit temps après, puis il va y avoir le souvenir de la rencontre. Et puis si ces rencontres sont là de manière répétée, il va y avoir une douce attente, l'attente de voir la personne revenir. Et donc on offre quelque chose de très doux et de très agréable. On ne l'a pas soigné, on lui a offert quelque chose de très positif. C'est véritablement mettre sa douleur de côté un instant. Et ça, c'est un cadeau assez extraordinaire. On va être effectivement dans le ressenti, dans ce que l'on va offrir
de manière... Alors clairement, on ne met pas en mots, on ne verbalise pas au malade, ben bonjour, moi je suis venue pour vous offrir du bonheur. Hein. Donc d'emblée, ça va être dans nos actes du quotidien. Donc quelqu'un mettait en mots le fait que humaniser la rencontre voulait dire amener de la vie. Mais effectivement, le côté invisible, c'est qu'à un moment donné, on va lui rappeler que tu vis une maladie, mais tu es un individu avant tout qui vit. Avant tout. On peut être malade et rire, on peut être malade et avoir du rêve, on peut être malade et s'évader vers, par l'esprit ou par la discussion dans le passé, par exemple, se remémorer des choses agréables, ou rêver, aller vraiment dans le futur, ou alors s'évader rêver à, tiens, moi, une fois que je serai guérie, je rêverais de faire un long voyage et d'aller dans tel endroit, et je rêverais de faire ça, et j'aurais trop envie de faire telle ou telle chose. Donc lui rappeler que malgré tout, il est en vie. Parce que l'espoir va offrir quelque chose extrêmement positif au malade. Clairement, ça va lui apporter quelque chose d'extrêmement positif qui va offrir un bienfait et qui peut jouer un impact assez positif dans le cheminement de la guérison. L'aspect visible, vous savez, c'est par exemple le patient le malade qui vous demanderait par exemple de l'aide pour telle ou telle chose. Est-ce que vous pourriez me ramener j'aurais tellement besoin, ça me ferait tellement plaisir que l'on puisse me ramener telle ou telle autre petite chose. Ça, c'est l'aspect plutôt visible où on va peut-être vous demander un service. J'ai écrit une lettre, est-ce que vous pourriez m'aider à la reformuler, est-ce que vous pourriez m'aider, est-ce que vous pourriez prendre la lettre et aller la poster en partant. Il va y avoir ce soutien invisible que l'on va voir, parce qu'il va peut-être lui-même, le malade, être dans l'une ou l'autre demande. Et puis la sphère invisible qui va être, on va rentrer dans le dialogue, on va lui rappeler qu'il est en train de vivre. Donc voilà un petit peu, si je devais un petit peu faire le tour au travers des mots que vous avez mis en évidence. Alors avec le mot partage, on viendra peut-être dans les étapes de la maladie. Alors j'ai mis une petite phrase qui pour moi définissait très très bien ce que c'était qu'humaniser. Donc humaniser, c'est coordonner les activités ludiques et de détente pour offrir aux malades joie et plaisir dans les moments hors soins. C'est-à-dire qu'on est dans un moment hors soins. On n'est pas une infirmière, on n'est pas un médecin, on n'est pas un psy. On n'est pas on est une personne qui a beaucoup de choses à offrir et qui a envie de pouvoir faire du bien. Et donc on va, par le biais d'activités ludiques, on est dans l'une ou l'autre activité, tout dépendra de ce que nous aurons envie d'offrir à l'autre, ou des moments de détente où tout simplement on est là à discuter. Parfois c'est juste échanger quelques petits mots, parfois c'est juste une présence. Il me semble que lors de la rencontre passée, une personne qui avait, je ne me rappelle plus son prénom, fait une intervention, avait dit que parfois ça peut être juste aller tenir la main du malade. Juste sentir le contact, et c'est beaucoup. C'est parfois des petits gestes, c'est pour ça que je mettais l'accent sur le mot simple. S'il y a une chose que vous devez bien retenir, c'est que la rencontre peut être une rencontre simple, et doit être simple. Et parce que vous aurez ça à l'esprit, elle sera absolument magnifique. Moi, par exemple, quand j'étais petite, je me rappelle, c'était très spécial, mais dès que j'étais malade, il fallait qu'on me donne la main. Juste la main. Juste me donner la main. C'était un peu embêtant pour ma maman qui du coup ne pouvait pas faire grand chose. Et quand elle devait aller faire à manger, mon petit frère devait venir me donner la main. Mais ça parle pour certains. Et moi, c'était la main. Il fallait juste que je sente. Il ne fallait pas me parler beaucoup. Juste que je sens qu'il y a quelqu'un et que j'ai la chaleur humaine qui traverse par la main. Il y a peut-être des énergies positives. Très certainement des énergies positives. Mais parfois, c'est juste un contact aussi physique. Alors, ça peut heurter certains malades. Pour certains malades, non, peut-être que eux, le contact physique, non, il faut que vous le sentiez. Il va se passer beaucoup de choses lors de la rencontre. On y va de toute façon au fur et à mesure. D'emblée, on n'arrive pas et on touche le patient, bien entendu, parce que, après, ça dépend, ça peut être en rapport avec la culture de l'autre. Peut-être que certains n'ont pas envie qu'on les touche, peut-être que d'autres ont surtout besoin du contact physique. Tout dépendra un petit peu de chaque malade. Pour offrir aux malades joie et plaisir, les gros objectifs de la rencontre. Offrir de la joie et du plaisir, amener de la vie, tout simplement. Les 5 étapes. Bon, il y en a 6, effectivement. Donc, je suis censée rectifier et mettre 6 étapes. Mais c'est parce qu'on passe par 5 étapes. Et puis, la 6e va être une étape extrêmement positive. Là, à un moment donné, on se remet à mettre en place de nouvelles choses.
Il y a 6 points importants. Je vais les nommer. Et à chaque fois, je vais vous demander pour chaque point, avant de vous donner une explication de ces points-là, ce que cela vous évoque. Je vais d'abord mettre l'accent sur le fait que c'est évident comme ça, c'est peut-être pas évident quand on va aller essayer de le retrouver auprès du malade. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons, enfin nous, pas moi, des chercheurs, ont mis en évidence, et plus principalement une femme qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross, met en évidence différentes étapes par lesquelles va passer le patient. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça à l'esprit ? Pas parce qu'il est important pour vous d'aller détecter le stade dans lequel va passer le patient, mais c'est pour que vous ayez une information plus ou moins. Ben voilà, ah, moi je pense que le malade que j'ai visité, il se situe plutôt dans ça. Je pense qu'alors il a beaucoup plus besoin de ça. Ah ben tiens, il m'a parlé très agressivement, il me semble qu'il est plutôt dans telle étape ou telle étape. Donc j'ai à comprendre, j'ai pas à le prendre pour moi. Il m'a pas parlé agressivement parce que j'étais pas apte ou pas compétente et que j'ai pas fait ce que je pouvais faire, mais essentiellement parce que, ah ok, il est dans cette étape-là et qu'à cette étape-là, on a telle ou telle attitude. C'est pour vous donner un petit peu un guide, pour avoir une idée, d'accord, dans lequel va passer l'étape dans laquelle va passer le patient. Une question que vous pourriez poser, est-ce que tous les malades passent par ces étapes-là ? Non, pas tous, majoritairement, oui. Mais on ne va pas spécialement passer par le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut passer par le 1, puis passer par le 5. Puis on peut passer par le 1. Le 1 est obligatoire, enfin, généralement, le 1 arrive, très souvent. Et puis, on va rester dans le 2. Puis, on ne va pas avancer. On va rester dans le 2, puis on va rester dans le 2, puis on va rester dans le 2 très, très, très longtemps. Puis on peut passer au 3, et puis on va rester bloqué aussi dans le 3. Donc tout dépendrait de chaque personne, évidemment le travail. Et ça, ce n'est pas spécialement à la personne qui va aller visiter le malade, elle n'est peut-être pas formée pour, ça va être le psy, ça va être peut-être les proches au quotidien, qui vont vraiment essayer d'accompagner le malade au travers de ces étapes-là. L'étape 1, le choc initial. Le choc initial, c'est une phase très difficile. Vous devez imaginer un ciel bleu et comme ça, un coup de tonnerre. C'est effrayant, on ne comprend pas, on n'a pas vu arriver la foudre, mais c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. D'accord ? On pourrait le définir ainsi. Il y a des personnes qui sont malades et puis à un moment donné, ils savent qu'ils sont malades. Et puis à un moment donné, on pose un diagnostic. Ça reste un choc. Ils avaient une idée, hein, on leur avait tout doucement dit que voilà, il y avait des probabilités de telle ou de telle chose. Ça reste un choc quand même. Puis il y a des gens qui vont chez le médecin parce qu'ils ont un peu mal à l'estomac ou un peu mal là ou bien qu'ils ont un accident et c'est pas prévu. On n'a rien vu venir et on n'a pas eu le temps de se préparer à ça. Et donc on doit se dire que c'est une phase très 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 difficile. C'est vraiment on est hébété, on a une attitude, on est bloqué, c'est un bouleversement, on est en état de choc et on se met comme ça dans un état, on est effrayé et à un moment donné, on se met à imaginer plein de choses. Alors vous vous rappelez, je vais vite revenir un instant sur la balance, vous vous rappelez quand je vous disais l'émotion ? Si maintenant il y a la balance émotion-raison, à un moment donné, quand on va nous annoncer quelque chose de très lourd, voilà ce qui va se passer dans cette balance. L'émotionnel va prendre énormément, énormément de place et il va même à un moment donné prendre toute la place dans l'esprit, alors que c'est la place de la raison, d'accord ? Et donc à un moment donné, vous devez imaginer que la raison est mise de côté, elle descend bas et l'émotionnel à un moment donné va réellement prendre beaucoup, beaucoup de place. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là ? Il va se passer à ce moment-là quelque chose de très particulier. Quand l'émotionnel monte très haut, va s'ouvrir les portes d'un monde. Les portes d'un monde imaginaire. Les portes d'un monde imaginaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, le patient va être dans la démarche. Imagine si, et si je meurs ? Et si le traitement ne fonctionne pas ? Et si je ne serai plus jamais comme avant ? Et si je ne pourrai plus jamais être heureux ? Et si, parce que je vais être gravement malade, on m'abandonne ? Et si, et si ? Et on se met à être dans un imaginaire d'avenir, loin d'être positif, plutôt même négatif. Et donc, va se créer des angoisses terribles. On va rien entendre. Vous savez, il y a par exemple des personnes qui, lors de cette étape-là, le médecin va annoncer le diagnostic.
il se passe quelque chose d'assez important. La personne n'entend plus rien. Elle a entendu le diagnostic, elle est en état de choc généralisé, et il se peut même que son ouïe se bouche, que la compréhension ne se fait plus. On est dans un état tellement bouleversant qu'on n'entend plus rien. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ne pas bombarder la personne, on ne bombarde pas la personne d'informations, ça ne sert à rien, elle n'entend pas grand-chose. Il faut un temps, et il faut respecter cette étape-là. On ne peut pas ne pas passer à côté de cette étape-là, parce qu'à un moment donné, il faut annoncer quelque chose. Donc la personne va être dans cet état de choc initial, et tout ce qui était équilibré dans sa vie se déséquilibre en un court instant, et puis on se met même à imaginer quelque chose d'absolument horrible. Donc la personne va être dans de l'angoisse. Alors imaginez, vous arrivez vers un patient, vers une personne vivant une maladie, dans cet état-là, pas parler beaucoup, en tout cas très certainement pas de sa maladie, elle n'entendra peut-être pas grand-chose. À ce moment-là, elle a essentiellement besoin que l'on ait des mots très réconfortants, des mots qui l'apaisent. Alors pour des gens qui vont être très physiques, qui ont besoin du contact, peut-être juste une main, sentir un contact sur leur épaule, ou alors des mots doux, des mots qui apaisent. Et bien plus que ça, c'est une période où, par exemple, si une personne rencontre un psy à ce moment-là, c'est une période durant laquelle on va laisser juste le patient parler. Parler et encore parler. Il a besoin de se vider. Vous savez pourquoi ? Il a besoin de mettre des mots sur l'angoisse qu'il y a à l'intérieur. Et elle a besoin à ce moment-là, le mot que j'ai écrit là sur le panneau empathie, elle a besoin à ce moment-là d'empathie. Elle a besoin à ce moment-là qu'on l'entend. Il faut qu'elle sente qu'on l'entend et qu'on comprend ce qu'elle est en train de nous dire. Et de dire « je comprends ». Ta souffrance, je comprends ce que j'entends que ce que tu vis est difficile. Elle a besoin que l'on puisse définir sa situation comme étant difficile. C'est pour elle donner droit à cette étape-là qui est je vis un choc, ne me dites pas c'est facile, ne me dites pas mais ça va aller, non, j'ai une angoisse là, elle ne va pas passer tout de suite. À un moment donné, il faut attendre que cela passe. Et comment est-ce que cela va passer? En mettant beaucoup de mots dessus. Il faut minimiser aussi ce qui va arriver. Elle va arriver avec des mots qui définissent une angoisse parce qu'elle rentre dans le monde imaginaire. Lui dira. Par contre, ce que l'on peut faire à ce moment-là, c'est lui dire « Écoute, là, tu pars tellement loin dans du négatif. Et si l'avenir pouvait être positif ?» Et puis, je vais revenir avec le nom alors de l'association, Carrefour de l'espoir. « Allez y déposer de l'espoir. Tu veux rentrer dans une projection d'avenir ? Ok. » Toi, tu es dans une projection d'avenir qui va être noire à ce moment-là, ce qui est normal, ok ? Moi, je vais juste mettre en évidence, tu sais, tu peux aussi être dans une projection d'espoir. Et si, toi, tu dis, ça ne se passe pas bien, que le traitement ne fonctionne pas, et si bien au contraire, parce que tu seras tellement positive, à un moment donné, ton positivisme va prendre place sur la maladie, et à un moment donné, mettre en place des choses positives dans ce qui va se passer après. Donc ça, c'est extrêmement... extrêmement important comme étape. Ça, c'est dans le cas où vous allez rencontrer quelqu'un qui, sous peu, vient d'apprendre quelque chose. Il est probablement dans ça. Donc là, c'est le travail de deuil. C'était la question qu'une personne m'avait posée lors de la formation passée. Et ça suppose aborder le travail, toute l'approche par rapport au deuil, qui est très grande. Et justement, je pense que c'est un des projets de Carrefour de l'Espoir de préparer au deuil. Ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est dur, bien évidemment, parce que là, la personne se trouve face à l'inévitable, j'ai envie de dire, ou probablement. Il est en soins palliatifs et on lui annonce un petit... Enfin, voilà, on lui dit, d'ici quelques temps... Vous ne serez plus là, c'est pas facile pour le patient. Je pense qu'à ce moment-là, notre objectif principal est d'humaniser le plus possible la rencontre, être dans de l'humanité, d'entendre ce qu'il dit, d'apaiser l'angoisse. Alors bien évidemment, comment, puisque justement à un moment donné il va dire mais oui, mais moi on m'annonce finalement que je vais mourir, ça demande vraiment beaucoup plus de temps pour pouvoir l'expliquer, parce que c'est un travail extrêmement difficile. Donc moi, j'invite même Carrefour de l'Espoir à essayer de penser à une séance d'information où on peut plus travailler alors le travail du deuil, qui est un travail conséquent.
Par exemple, un étudiant qui passe une session d'examen, qui va voir ses résultats, va passer par ces 5 étapes-là également. C'est-à-dire, c'est les 5 étapes par lesquelles on va passer quand on va vivre une lourde épreuve. D'abord, c'est le choc. Et alors, la personne qui passerait une session d'examen et qui irait voir ses résultats et qui verrait qu'il n'a pas réussi, d'abord, on est estomaqué, on se dit juste, c'est pas possible. D'accord ? Donc, on aurait cette étape-là. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, pour ne pas donner les réponses tout de suite, je vais passer à l'étape 2, et puis d'abord vous entendre, et puis alors dire, par exemple, ce que dirait, par exemple, un étudiant au valve de l'école ou de l'UNIF quand il irait voir ses résultats. Mais on peut, dans beaucoup d'épreuves de vie, passer par ces étapes-là. Oui. Il y a vraiment les deux choses que vous amenez. D'abord, il y a la non-acceptation. C'est je vais prendre l'exemple de l'étudiant. Ah non, c'est pas possible. Le prof, il s'est trompé. En notant ma note, il s'est trompé. Ou alors, clairement, il a mal corrigé. Il s'est trompé, il a mal compté les points. C'est impossible. À un moment donné, vous savez ce qui se passe? Il y a une porte qui se ferme à clé. Blocage complet. On est dans la phase du déni. On n'accepte pas. Donc, on a d'abord le choc, puis on dit non, je suis venue chez mon médecin juste parce que j'ai mal à l'estomac et il m'annonce un cancer de l'estomac. Non, c'est juste pas possible. Il va y avoir une phase de déni où on va refuser tout ce qu'on nous donne comme information. Rien n'est valable, rien n'est bon. Alors, c'est une phase normale. On va souvent passer par là, en se disant non, c'est peut-être pas possible, et peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'on veut, de toute façon, il faut dans un premier temps avoir différents avis médicaux, très certainement, de toute façon. Mais une fois que tous les avis médicaux se rencontrent, c'est dur, parce que accepter, c'est envisager que ça va faire partie de notre histoire de vie, et ça, c'est dur, parce que c'est envisager. Définir, comment dire, vous savez, nous avons tous une image de nous et on la définit sur base de ce que nous sommes en termes de qualité, de défauts, de faiblesses, de nos points forts, de ce que nous faisons au quotidien, etc. Puis là, la liste, elle se remplit. Du coup, on doit la remplir en disant « et je vis une maladie, et je vis telle ou telle chose ». Mais c'est pas évident, parce que ça suppose réorganisation de mon image. Mais alors au début, la réorganisation, on ne l'accepte pas parce que c'est juste effrayant. On a très peur, on est effrayé. Et donc effectivement, on va passer par la phase du déni. On ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre que ce diagnostic puisse être bon. Ou alors le malade va par exemple me dire, qu'est-ce qu'il va faire s'il y a le déni? Vous imaginez bien, je vous donne l'exemple d'un patient qui pourrait dire, non, moi je n'accepte pas la maladie. Pour moi, non, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas, je ne prends pas mon traitement. Et donc, des personnes à qui on aurait annoncé des choses assez difficiles mettront du temps avant de démarrer le traitement, en se disant non, ça va passer tout seul, ou finalement, ce n'est pas trop grave. Non, je ne le sens pas trop, c'est juste pas possible. Donc, ça, on risque de rester bloqué. Et là, cette étape-là, elle n'est pas positive du tout, à la différence de certaines autres étapes, parce qu'en fait, rien ne se passe. Tout est figé. Le choc, vous avez mis pause, vous avez fait arrêt sur image. Puis ça, on va s'installer le déni. Et il y a toujours un arrêt sur image. Rien ne bouge, rien n'avance. Rien n'avance pourquoi? D'abord parce que nous n'acceptons pas, on ne peut pas faire un travail sur soi. Et puis, on prend peut-être pas son traitement, ou alors on ne le prend pas bien. On va le prendre une fois sur deux. On se dit que finalement, ce n'est pas important d'avaler son traitement 3 fois par jour, comme nous le dit le médecin. Finalement, on prend 2 fois par jour, et puis une fois sur 2 jours, et puis une fois qu'on a mal, on prend un cachet. Puis finalement, on laisse s'installer la maladie, et puis voilà, on arrive dans des situations assez difficiles. On va rencontrer un malade. Il y a une personne qui sera en phase de déni, et puis qui dit non, mais moi, je n'accepte pas d'être malade, n'arrive pas en lui disant, écoute, ton médecin te dit que t'as ça, à un moment donné, il faut que tu passes le cap, parce que sans ça, tu restes dans un arrêt sur image, et c'est pas bon pour toi. Certainement pas. À nouveau, là, on arrive dans le respect de ce que vit la personne. On va, à un moment donné, dire au malade, j'entends, on va à nouveau offrir dans l'empathie, j'entends que c'est dur pour toi de ne pas accepter ta maladie. Tu feras un petit chemin, et au bout de ce chemin-là, tu parviendras peut-être, à un moment donné, à installer les choses, à un moment donné, se mettra en place quelque chose, mais tu dois entendre qu'il est important. Voilà, que tout doucement, tu mesures que ton traitement va plutôt te faire du bien plutôt que de ne pas le prendre. Mais juste d'attendre. Là, on doit attendre. On doit arriver aussi avec des mots extrêmement positifs. Il va arriver avec du négatif. L'émotionnel, n'oubliez pas, il est très très haut. Et la raison n'a
pas beaucoup de place, pas pour tous les patients. Pour certains patients, la raison n'aura pas beaucoup de place, puisque par effet mécanique de la balance, l'émotionnel est monté très haut et la raison, elle est tombée très bas. Donc la raison n'a pas une place importante pour pouvoir exprimer au patient « Non, prends ton médicament, c'est important pour toi. Il te faut accepter la maladie pour que tu puisses évoluer et à un moment donné, vivre avec cette maladie-là et vivre mieux avec cette maladie-là. » Il va avoir très, très difficile. On ne doit pas arriver en le mettant en garde. Certainement pas. Parce que sinon, on va renforcer son sentiment de menace. Lui s'est déjà mis à imaginer un futur noir, lui dire si, t'es malade comme ça, et vouloir le lui faire rentrer par force, c'est vraiment l'agresser. Il va en souffrir et les angoisses vont s'amplifier trois fois plus. Donc on va entendre que c'est une phase de déni, on va essayer d'avoir des mots positifs, on va entendre, on va offrir de l'empathie, on est dans de l'accueil. On est dans de l'accueil et on est toujours dans un moment où on humanise la rencontre. Donc, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu aimerais telle ou telle chose? Est-ce que tu aimerais que l'on parle ensemble? Est-ce que tu as juste besoin que je m'assieds près de toi et que je t'entende? Est-ce que tu as plutôt envie qu'on mette en place quelque chose, qu'on lit un livre, que je te raconte une histoire, que tout dépendrait de la personne que nous aurons en face de nous et tout dépendrait de ce qui lui parlera le plus. Arrive la troisième phase, la phase de la révolte. Et je vous annonce que c'est une phase positive, mais pas pour tout le monde. Quand je dis qu'elle est positive, c'est parce qu'effectivement, on enlève le pause. Il commence à se passer quelque chose. Alors on est en révolte, mais en révolte, tu expliquais que ce serait plus la révolte, la volonté de se battre. Alors, on est... D'accord. Ok, bah alors on est beaucoup plus dans ça, effectivement. On est dans de la colère par rapport à la maladie. On est en rage. On va donner cette impression d'avoir mangé du lion et on va sauter sur tout le monde. On va être extrêmement désagréable, on va être extrêmement en colère parce que la maladie est là et on est en colère, mais très en colère parce que la maladie, elle, est là. Lorsque je disais « c'est une phase positive, pas pour tout le monde », c'est positif parce qu'à un moment donné, commence à s'installer quelque chose. Il faut se dire que le patient continue à souffrir intensément. Hein. Là, il n'est pas du tout encore dans la phase de l'acceptation. On n'est pas du tout encore dans l'acceptation. Il est juste dans de la colère. Mais s'il est en colère, c'est qu'il est en colère contre quelque chose. Et s'il est en colère contre quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il a fait quoi? À un moment donné, il a accepté de se dire « La maladie, en fait, je ne vais pas la nier ». Je ne suis plus dans le déni. J'ai quitté le stade du déni. Le patient doit faire en sorte, avec un accompagnement, de vite quitter cette étape-là. Parce que voilà, il va être bloqué de tout. La porte, elle est fermée, verrouillée. On toque, elle ne s'ouvre pas. D'accord ? Mais peut-être qu'à usure, avec du temps, avec beaucoup de patience, voilà, on va tout doucement accompagner le patient, le malade, ou tout simplement, à un moment donné, le malade, avec ses ressources psychologiques et son mécanisme de défense, va arriver au stade de la révolte, où il va être très agressif. Il va être revendicateur aussi. Il va peut-être être désagréable avec les infirmières, mal parler, oui, enfin voilà, très désagréable. Mais pourquoi? Parce qu'il prend conscience qu'il est malade, qu'il vit une maladie. Alors, je vais essayer de faire la distinction pour que vous l'ayez bien à l'esprit, bien qu'on pourrait dire il est malade, mais de dire une personne qui est malade, c'est de ne pas définir la personne que comme étant malade, d'accord? C'est peut-être jouer sur les mots, mais on nuance parce que du coup ça va engendrer un ensemble de comportements. S'il n'est que malade, je le regarde et je lui dis « le pauvre ». Si c'est une personne qui vit une maladie, c'est de dire certes tu as une maladie, mais je prends conscience que tu es une personne avant toute chose, donc moi je vais, mon rôle à moi, et d'être avec la personne. Le côté malade, je vais le laisser au médecin ou aux infirmières, d'accord? Bien que les infirmières ou le médecin va être aussi, pour beaucoup, dans l'humanisation de la rencontre, dans les soins, etc., mais ça reste des moments de soins. Donc à ce moment-là, on est extrêmement agressif. Alors on va aussi vouloir rejeter la faute sur les autres. Par exemple, c'est de la faute de un tel si je suis malade. Voilà, c'est à cause de lui. Finalement, si je me suis retrouvée avec un cancer de l'estomac et que voilà, ben c'est sûr, c'est parce que mon mari ceci ou mon époux cela ou mon fils qui m'a créé plein de problèmes, c'est à cause d'eux. Et à un moment donné, on va vouloir trouver, voilà,
mettre ça sur la faute de l'autre. C'est dur, vous le ressentirez lors de la rencontre si vous les voyez très désagréables avec vous, vous parlez méchamment, voilà. Il va à un moment donné, vous allez le voir très irritable et vous allez même, ça risque de vous irriter. C'est pour ça que je disais que psychologiquement, vous devez être quand même dans un équilibre. Vous devez être capable de faire la part des choses entre vos histoires de vie, votre histoire de vie et la personne qui est malade. Parce que ça va être dur. Parfois, vous allez arriver, vous avez pris sur vous, vous étiez épuisé, vous avez travaillé toute la semaine, et puis vous avez fait des pieds et des mains, fait garder les enfants, etc., pour pouvoir aller rencontrer les personnes, et puis que l'accueil n'est pas agréable. On se dit, oh, mais un minimum quand même. En fait, s'il est dans la phase de la révolte, vous risquez de ne pas recevoir grand-chose. Donc vous devez être averti de ces étapes par lesquelles passe le patient. Ce n'est pas qu'à un moment donné, il se prend pour je ne sais qui et que pour lui, tout est permis. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est par là qu'il doit passer. Alors attention, si maintenant vous avez évidemment un malade qui vous insulte ou qui vous dénigre, vous humilie, vous manque de respect, etc., bien évidemment, vous avez le droit de refuser. D'accord, à un moment donné, de verbaliser très calmement, de mettre en mots, ben voilà, j'entends que vous souffrez, mais à un moment donné, vous êtes obligé aussi de dessiner le cadre, parce que le respect doit également aller dans les deux sens. Donc on ne vous demande pas, parce que vous avez conscience qu'il y a cette phase de la révolte, de tout accepter du malade, très certainement pas. Chacun a des limites, hein. Il y en a qui ont des limites très proches d'eux et qui sont capables d'accepter certaines choses. Il y en a qui ont peu de limites, et donc c'est pas évident pour eux. En parlant de limites, c'est aussi important de dire que il faut pas se surestimer. C'est-à-dire, d'emblée, ne dites pas, ouais, moi j'ai trop envie de donner, je suis capable de donner beaucoup, moi je vais visiter les malades, dans les personnes qui sont très très malades et qui vivent dans les soins palliatifs, enfin, qui sont dans les soins palliatifs. Moi, je propose toujours d'aller du plus petit au plus lourd. Pour tout doucement, même si on se sent capable hein, d'emblée d'aller vers telle ou telle pathologie, enfin voilà, rencontrer des personnes qui vivent telle ou telle pathologie, mais d'y aller tout doucement. Ne vous faites pas violence. Vous n'avez pas besoin de vous faire violence. Des maladies, il y en aura, et il y en aura au corps, ils seront là. Prenez-vous le temps afin que les choses soient bien faites. Prenez le temps progressivement. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseille généralement. Voilà, des personnes qui vivent, qui sont là à l'hôpital pour un mois, deux, trois semaines, c'est pas trop trop grave, c'est le temps juste du traitement. Puis vous avez des personnes qui vivent des cancers, c'est un petit peu plus lourd, puis vous avez telle ou telle chose. Puis voilà, il peut y avoir des personnes qui sont très sensibles par rapport aux enfants, et puis ils vont se dire une chose, c'est que voilà, voir un bébé comme ça, c'est trop dur. Je peux pas voir un bébé dans cet état-là, avec des tuyaux partout, c'est trop dur pour moi. Ben, si c'est trop dur pour vous d'aller visiter des enfants ou des bébés très malades, c'est trop dur pour vous. On doit s'entendre avant tout. N'oubliez pas, votre objectif à vous, c'est d'offrir avec une qualité dans la rencontre. Eh ben, essayez d'offrir une qualité là où vous vous sentez capable. Et puis progressivement, et peut-être avec le temps, et même s'il faut 10 ans pour ça, on prendra le temps qu'il faudra prendre, mais en tout cas, il faudra ne pas se faire violence. Et il ne s'agit pas de sortir des rencontres en état de souffrance. Il ne s'agit pas. Ça peut ne pas être facile, ça peut nous bouleverser un petit peu, ça peut nous remettre en question par rapport à certaines choses, mais pas de vous détruire, ni de vous bouleverser, ni d'enclencher chez vous des angoisses. Très certainement pas. Si vous le sentez, vous mettez une pause, il faut prendre un temps avec quelqu'un pour verbaliser voilà, ce qui s'est passé pendant les rencontres. Certains ont besoin de l'exprimer par le langage, d'autres par l'écrit, mais prendre un temps, très certainement. D'accord, pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été voilà, ce qui a été plus facile, ce qui a été plus difficile, pouvoir s'entendre. Si vous vous entendez, vous allez avancer à un bon rythme. Si vous ne vous entendez pas et que vous dites à un moment donné, moi je prends sur moi, je ne m'entends pas et je vais voir vraiment des gens avec des pathologies très lourdes ou avec des histoires extrêmement dures et que je prends. Ça peut être difficile, vous devez avancer à votre rythme, d'accord ? Vous devez prendre très soin de vous. Prendre soin de vous suppose que vous allez savoir bien prendre soin de l'autre. Si vous ne prenez pas soin de vous, à un moment donné, vous n'allez pas être dans une bonne qualité de rencontre. Ça, c'est important.
Ne pas hésiter d'aller vers ceux qui ont plus d'expérience, de dire ça a été très dur. Il ne faut pas avoir peur. Au plus vous allez mettre en évidence vos difficultés, au plus vous deviendrez de plus en plus professionnel dans la rencontre avec une personne qui vit une épreuve lourde. On commence parce qu'on est dans la révolte, donc n'oubliez pas, là on commence à prendre son traitement, d'accord ? Donc on commence à prendre son traitement et puis on a peut-être des effets secondaires, le traitement n'a peut-être pas fonctionné, ou peut-être parce qu'on m'a amputé d'une jambe par exemple, on met une prothèse et puis que la rééducation est très 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 dure. À un moment donné, on peut sombrer et puis se dire « j'accepte plus de nouveau ce qui se passe ». Hein, je vais plus du tout accepter, là je suis même plus dans, je vais évoluer et puis à un moment donné non, je vais retomber dans un pessimisme absolu. Et oui, bien sûr, et il va y avoir peut-être dans le cheminement du malade, il va y avoir ces périodes-là et on doit l'avoir à l'esprit. Ah ben tiens, c'est bon, là il est dans la révolte, bon c'est bon, normalement maintenant il ne peut que mieux aller. Non, parce qu'à un moment donné il peut se passer des choses qui viennent un petit peu biaiser l'évolution qui serait plus ou moins, qui irait dans ce sens-là en tout cas. Le point 4, le marchandage. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu dur, hein, détecter cette phase-là. Elle est spéciale, c'est parce qu'en fait, ok, j'accepte ma maladie, ok, j'accepte de prendre mon traitement, mais pourquoi est-ce que le malade à côté, lui, il a droit à ça qui lui fait moins mal ? Et pourquoi moi, on me donne ça ? Je veux le même traitement que lui. Je veux les mêmes faveurs que lui. Ok, je prends mon traitement, mais alors je demande telle ou telle chose. Et il va se mettre à marchander, en fait. Par exemple, bah d'accord, je fais mon traitement, mais je refuse de faire mes séances de kiné, par exemple. Moi, ça, je ne veux pas en entendre parler pour le moment. Mais je veux bien prendre telle ou telle chose. Mais ça, vous ne m'en parlez pas pour le moment. Je n'en parle pas. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Bon, évidemment, le bénévole, lui, bah, à ce stade-là, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Il peut juste détecter qu'on est dans la phase de la négoce. Bah, il négocie, en fait. Il essaye de négocier. C'est extrêmement positif ce qui se passe. Parce qu'il est en train de digérer le traitement. Donc il dit, bon, d'accord, je prends ça, même si j'ai des effets secondaires, mais docteur, pas ce médicament-là, hein, parce que ce médicament-là, moi, il me rend nerveuse et il m'empêche de dormir. Même s'il est nécessaire, je ne le prends pas. Vous n'avez qu'à m'en trouver un autre. Et il va se mettre comme ça à marchander plein de choses. Donc il va accepter, il va refuser telle ou telle chose, mais il va accepter l'une ou l'autre chose. Et là, vraiment, on a à l'esprit que tout doucement se met en place quelque chose. Alors tant mieux, c'est positif. S'il marchande, c'est que il accepte le traitement et il accepte l'évolution tout doucement du traitement. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui montrer en tant que bénévole ? Qu'on l'a entendu, ben, j'entends que tu essayes de négocier. Ben, écoute, il faudra voir si c'est possible. Imaginons qu'il marchande avec vous l'une ou l'autre chose. Bon, là, je n'aurai pas d'exemple à l'esprit, mais voilà. Ok, d'accord, moi, tu me motives, etc. Moi, je veux bien prendre mon traitement, mais tu devras me promettre de venir tous les 3 jours. Et c'est une promesse que vous ne pouvez pas tenir parce que ce n'est pas possible. Voilà, vous pouvez dire j'entends que tu as besoin voilà, de rencontres, etc. Ne faites jamais des promesses, jamais, 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 auprès du malade des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Le conseil que je donne, c'est toujours des petites promesses. Par exemple, voilà, moi, j'aimerais revenir dans une semaine. Est-ce que tu acceptes que, ou est-ce que vous acceptez que l'on se revoie et que voilà, je ramène mon jeu d'échecs. Puis, je te propose de venir dans une semaine. Si vous avez pu venir 4 jours avant, c'est bien, tant mieux, faites-le. Mais ne dites pas « je viens dans une semaine » si vous savez que ce n'est pas possible et que vous ne viendrez pas avant un mois. Ne dites pas « écoute, moi, ce que je propose, on va se voir toutes les semaines pendant trop longtemps et on va vraiment, tu vas voir, jusqu'à ce que tu sortes de l'hôpital, moi, je serai là avec toi. » Ne faites jamais ces promesses-là parce que vous n'avez aucune garantie que vous pouvez les tenir. Et vous devez vous dire, vous, quand vous êtes dehors, ben, le monde, il tourne, ça va très vite, ça va dans tous les sens. Par contre, pour le patient, tout va très lentement. Il est dans une chambre. Donc, il ne fait que s'accrocher à votre promesse. Chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, vous n'êtes pas venu, alors vous étiez censé venir, c'est l'enfoncer dans sa souffrance. D'accord ? Donc, faites très très attention par rapport à ça. Arrive la phase 5. Alors, plus on arrive au 6, hein, plus c'est positif. La tristesse, même si ça peut paraître paradoxal que de dire que la tristesse est une phase positive, en fait, c'est une phase qui est compliquée, mais là où vous avez raison, c'est que
Mais c'est qu'avant, voilà, tout était complètement déstabilisé, tout était déséquilibré, et puis c'est dur, et puis on ne sait pas encore dans quoi on est. Encore à l'étape 4, on est encore au stade où on marchande notre traitement, etc. Et puis il y a le 5. Puis le 5, c'est la phase de la dépression. On accepte, on n'est pas dans l'acceptation, on voit tout ce qui se passe et on se dit, ok, ça fait partie de ma vie d'aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. C'est dur, j'ai un traitement, il est lourd, il est douloureux, il est pas facile, mais c'est mon histoire de vie. Je peux pas passer à côté de ça, je peux pas la nier. J'ai des effets secondaires au traitement, ça me fait mal, je dois aller à l'hôpital souvent, mais je suis obligée d'être dans ça. Puis j'ai tellement reçu de mots positifs de la part de mes proches, de la part de mes amis, de la part des bénévoles, qu'à un moment donné, j'ai envie de croire en un avenir positif. Mais je souffre aujourd'hui. Il y a des symptômes qui vont être installés. Il va y avoir une perte, par exemple, des symptômes. Je vais les donner un peu en vrac. Une perte de poids, la non-envie de manger, la non-envie de sourire, la perte de goût. On n'arrive plus à s'imaginer des choses agréables. On ne dort pas spécialement bien. On est très vulnérable. Il va y avoir un repli sur soi. On va se détacher un petit peu des autres. On est un petit peu éteint. Mais on est éteint parce que ce que l'on voit ne nous plaît pas. Ça nous manque, ce qui s'est passé avant. Nous manque la période de ce que nous étions avant. Et on est dans la nostalgie. Ah, si je pouvais être comme avant. Avant, j'étais active, je faisais telle ou telle chose. Avant, j'étais même dans l'espoir, je m'étais projetée dans tellement de choses. Et je ne peux pas aujourd'hui, parce que voilà, j'ai telle ou telle chose. Parce qu'il va être, de toute façon, dans du négatif. Hein. Il va avoir un peu d'espoir, mais il reste d'emblée dans des idées négatives. Mais il est dans une nostalgie de se dire, j'étais tellement ça avant. Et aujourd'hui, regarde ce que je suis devenue. C'est dur pour lui. Mais il se voit, il se dit « je suis devenu comme ça ». Donc à un moment donné, déjà, on est dans le « ok ». Le processus s'est mis en place et là, il commence à se mettre en place quelque chose. On est clairement dans des symptômes de la dépression à ce stade-là. Et il faut vraiment se dire que quand on est là, c'est extrêmement positif. Ça veut dire qu'il faut un temps. Mais il faut également dire une chose, c'est qu'il faut ce temps-là avant d'arriver à la phase du deuil, où on a fait ce travail de deuil, c'est-à-dire ce travail d'acceptation, et puis on avance avec, c'est-à-dire que j'accepte que je suis une personne, je reste la même, et ça c'est le point 6, la phase de l'acceptation, je suis moi, mais j'ai une maladie. Et donc je dois réinvestir mon organisation de vie. Ce que je peux faire, ben voilà, je suis malade, donc je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux plus faire pour le moment, mais il y a des choses que je peux faire. D'accord ? Mais pour passer du point 5 au point 6, il faut se dire que pour certains, ça prend un peu de temps, pour d'autres, ils vont rester longtemps calés dans la phase de la dépression. Donc cette phase, il faut juste espérer que c'est un tremplin vers la phase de l'acceptation, parce qu'à un moment donné, on peut rester bloqué dans la dépression très longtemps. D'accord ? Et que c'est pas très bon. Mais bon, on n'est déjà pas dans la révolte, on n'est déjà pas dans le déni, mais la personne est éteinte. Et quand elle va arriver au point 6, il se remet à y avoir de la vie. Par rapport aux rencontres qu'on a eues, par rapport à tout ce qu'on nous a apporté, mais il s'est mis à avoir de la vie. Pourquoi ? Mais parce que j'ai enfin compris que je suis toujours moi, celle d'avant. Je suis toujours moi, mais je dois réinvestir mon organisation de vie. Et là, c'est le deuil. C'est que j'accepte de me dire, mais voilà, il y a des choses que je ne peux plus faire ou que je peux moins faire. Voilà, j'étais quelqu'un de très actif, je bossais énormément. Et bien maintenant, je vais devoir travailler un petit peu moins parce que le médecin me dit qu'il faut absolument me reposer. Et en même temps, ben voilà, je dois aussi me dire que je suis capable de continuer à faire des choses. Donc dans sa chambre d'hôpital, en tant que bénévole, on peut lui dire, oui, mais continue à espérer des choses. Réinvestis seulement les choses différemment. Mais continue à avoir des objectifs de vie future. C'est une phase difficile, la résignation, parce que le patient va énormément souffrir, parce qu'il a eu de l'espoir et puis clac, il a reçu un coup. Donc c'est important même dans l'accompagnement de ne pas lui dire « tu verras, ça va bien se passer », c'est catégorique, non. De dire « tu dois être dans l'espoir de,
que cela arrive. Et que si ça prend du temps, ça prendra du temps. Mais nous devons être dans l'espoir. L'espoir fait qu'à un moment donné, l'espoir peut perdurer là où quand on arrive avec une confirmation, mais tu vas voir, le premier traitement que tu vas avoir, tout va bien se passer. On ne peut pas avoir un discours comme ça. Parce que s'il y a des effets négatifs et que ça ne se passe pas bien, vous avez perdu, votre parole aura perdu de la valeur aux yeux de la personne malade. Mais plutôt de dire, tu dois être dans l'espoir. Et si ce n'est pas un traitement, ce sera un autre traitement. Et la seule chose que je sais, c'est que quand on a de l'espoir, ça a beaucoup plus de chances de réussir plutôt que du désespoir. Voilà, d'être vraiment plus dans ces mots-là, dans le dialogue avec la personne. Ensuite, le point B, c'est la pseudo-acceptation. Vous avez des personnes qui vont avoir le choc, puis le déni, puis ils disent « Ok, c'est bon. Ok, on m'annonce un cancer, mais bon. J'ai un rythme de vie tout à fait normal. À la limite, je ne prends pas mon traitement. J'ai une vie à du 300 à l'heure, peut-être même plus qu'avant. » En fait, on croit, on donne une impression de « J'accepte, hein, tout va bien. » Mais finalement, rien ne va. Et on donne une impression aux autres, ça n'est pas. Donc quelqu'un qui est super positif, enfin, pas qui est super positif, c'est quelqu'un qui va dire « Non, c'est bon, j'accepte ma maladie, mais bon, moi, il y a des choses que je ne veux pas faire, et puis c'est tout. J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. À la limite, on me donne un traitement à la maison. » Bref, vous voyez que il montre qu'il accepte, mais il va y avoir comme ça des signaux corporels, ou, enfin voilà, par le corps ou par la communication, qui vous montreront qu'en réalité, il est en souffrance. Le point C, je ne vais pas trop rentrer là-dessus, je l'ai juste noté parce que c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, des avantages secondaires. Ça peut être très particulier parce que je me rappelle moi-même, lorsque j'ai fait mes études et qu'on parlait de ce point-là, j'ai eu un peu du mal à pas y croire, mais à le concevoir. C'est que quand quelqu'un est malade, il va passer par trois étapes. Il va y avoir des avantages secondaires, des avantages primaires d'abord. Je suis malade, on s'occupe de moi, on vient me visiter, etc. Puis il va y avoir des avantages secondaires. À un moment donné, je m'installe dans la maladie. Par exemple, je me rappelle, il y avait une patiente qui m'avait dit, c'est quand on voit une personne bloquée et ne pas avancer. Mais bon, ça, évidemment, il faut pas y toucher, parce que ça peut être risqué, vous pouvez casser la relation que vous avez avec la personne que vous visitez. Ça, à la limite, le psy peut plus faire cette démarche-là, mais peut-être pas n'importe qui, ou alors vraiment avec 50 000 gants, mais ça, je vous déconseille de le faire. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte que la personne s'installe. Et alors, par exemple, on va voir que les personnes veulent avancer, mais inconsciemment bloque le processus. Parce qu'avant, on ne s'occupait jamais de moi, et depuis que je suis malade, du coup, soit dans mon couple, avant mon couple, on allait divorcer, et puis depuis que je suis tombée malade, mon mari s'est tellement mis à prendre soin de moi, mais que si je guéris, la procédure de divorce va se remettre en place. Et donc, il y a un blocage. Mais ça, c'est vraiment quand on sent qu'on bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. À un moment donné, le psy, vraiment mettant des gants, va à un moment donné aller explorer s'il n'y a pas des avantages secondaires qui se sont installés. Alors la troisième étape, qui est pathologique, on appelle ça, c'est un mot un peu bizarre, on appelle ça des fixations iatrogènes, où vraiment, alors là, le patient reste dedans, le malade, et ne veut pas du tout, et consciemment ne veut pas sortir de là, en tout cas, d'accord. Mais bon, je l'ai juste mis pour le mettre en évidence, parce que c'est ces différents états qui peuvent bloquer le processus, mais le C, il ne faut surtout pas y toucher. C'est en guise d'information uniquement. On peut passer au point suivant, et je pense que c'est la fin normalement, et c'est la fin. Voilà. Évidemment, c'est du théorique, bien évidemment. Vous allez explorer, je pense, en pratique beaucoup plus. Il devait y avoir une seconde partie avec l'infirmière. Malheureusement, voilà, elle est tombée assez malade. Peut-être juste mettre en évidence le fait que l'infirmière qui devait faire la seconde partie est venue un jour en formation. Donc elle-même est venue un jour explorer ce que c'était que Carrefour de l'Espoir, et par la suite est devenue une membre adhérente active, et voilà, et puis même très active au sein de l'association. Donc comme quoi, finalement, nous pouvons tous pouvoir apporter, chacun à notre échelle. Si vous savez que vous pouvez apporter une fois tous les mois ou tous les trois mois, mais c'est déjà beaucoup, avancez avec des échéances que vous savez tenir, plutôt que d'avancer avec des par exemple, par rapport aux malades, hein, comme je disais, de dire aux malades, voilà, je viendrai presque toutes les semaines, puis que vous savez que c'est carrément impossible. Dans votre discours, montrez que vous allez essayer de venir à telle ou telle échéance, mais quelque chose que vous savez respecter. J'espère que j'ai pu être assez claire.
Je ne sais pas s'il y aurait peut-être l'une ou l'autre petite question. Je pense qu'il faudra vite écourter. Mais s'il y aurait encore l'une ou l'autre petite question de votre part, et je pense que de toute façon, après, autour du buffet, je pense que vous pourrez rencontrer les différents membres de Carrefour de l'Espoir pour poser, parce que j'imagine que vous allez avoir plein de questions. Et vous dire de ne pas avoir peur, parce que vous serez accompagné par les anciens durant les premières rencontres. Surtout, n'ayez pas peur. Au début, on ne vous demande pas d'être top. C'est au fur et à mesure que vous allez apprendre. Et vous avez droit à l'erreur aussi. C'est très très important de dire que vous avez droit à l'erreur. Vous êtes accompagné au début. Et au début, vous avez le droit de sentir que c'était difficile, que vous avez eu du mal à y arriver, et que voilà. Et puis, il faut un temps pour tout le monde. Et je pense que c'est essentiellement ça.